C'est bagay qui dit en pile lui. L'a gen l'an mort, mais on pas ka crier. De caoutchouc, on tipo gaz, quelques graines alimètes, on te mange jeune garçon à jeune femme, pas bon ici de chanter. Yo pas quatre jeune garçon qui te capable utile pays yo, si toutefois, yo te prend un l'autre chimé. L'entendez, mesdames et messieurs, situation ça arrivé, famille victime nan, pas ka rele. Comment on va le faire crier? Comment on va le faire rele? Si petit garçon, si petite fille, te fait partie moun qui te kon ap assassiné, yo paquet innocent dans la ria. Si petite fille, si petit garçon, te fait partie de moun qui kon ap kidnappé, fait moun fait faillite en de pays. Mesdames et messieurs, bilan partiel, journée jodi a de quantité bandits qui tombe en bas mais population, c'est 150 liye nan moment n'a parlé à la. En collaboration ensemble avec la police nationale d'Haïti, peuple a lui-même, li levé copé, li dit cette fois-ci, faut qu'il capable prendre destin en main. Mesdames et messieurs, puis devant nous gagner commissaire Jean-Ernest Muscadet qui arrive et mette dans Minanger, deux bandits qui sortit directement Gravine, qui t'a filé pour faire Miragouane, a fait pour capable cacher, nous pral konnen nou yo et nous pral konnen qui Jean commissaire Jean-Ernest Muscadet fait tomber sous bandit sa yo. Malgré mandat d'amené qui gagne après elle, Père Jean-Marc de Cheville continue à signer, mesdames et messieurs, lettres, dans le comité permanent l'église épiscopale là, qui ça qui a passé exactement. Est-ce que DCPJ lui-même est arrivé by vague? Sous dossier si là, tout détail, c'est pour un petit temps qui pas trop long. Maître Caleb Jean-Baptiste, levez-voile bien haut, pour capable défendre Maître Robinson Pierre-Louis qui est en prison depuis 10 mois, pour dossier ZAM par de paix à selon maître Caleb Jean-Baptiste, mouvement ça que a fait dans justice, li pas bon et ensemble, yo capable mettre voyo, puis yo capable forcer la justice haïtienne, prendre responsabilité, le presser, presser et profiter, dénoncer Zak Magouille qui a fait en pénitencier national, côté divers prisonniers, a arrivé perdre la vie chaque jour. C'est l'actrice française là qui c'est Catherine Cocon écrit une lettre by communauté internationale là pour demander à passer à l'action et demander Emmanuel Macron pour être capable soutenir haïtien yo nan demande que yo fait afin pour joindre une intervention militaire qui capable aider pays d'Haïti sorti nan sali à là. C'est toute information ça avec diverses autres qui pourraient faire essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola non pam, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin n'apprendre. Pour nous dire merci ensemble avec vous même qui like, qui commenter, qui partager. Merci ensemble avec vous même qui toujours invité en famille ou en amis ou abonné ensemble avec plateforme si là puis capable toujours rester connecté ensemble avec bon information jodi a ce week-end. Et nous tout conseille pour nous déjà si n'a conduit pas boire, si n'a boire pas conduit parce que week-end ça son bel week-end mais l'autre week-end a plus belle toujours pays d'Haïti piégé, c'est nous mêmes qui gain responsabilité pour nous voyager sous tête nous, personne pas faire pour nous. Population, depuis plus de 72 heures, lancé une opération conjointement ensemble avec la police nationale d'Haïti qui relaie barre bandit, croppé bandit, bois calé. Cette fois-ci, c'est bon version bois calé que nous vivons actuellement là en Haïti. Bien avant nous aller plus loin, mesdames et messieurs, bon, racontez-nous histoire d'un jeune garçon qui portait nom David dans Debussy. David te fait partie de brigade qui te gagné pour veiller les bandits après rentrer dans zone pour capable maspiner yo, mettre dife sou yo correctement, boucaner yo même gens avec barbecue. Pendant David campé dans brigade là comme ça mon noue David ont gens suspect. David à la onyaï, il a posé cette question, qui ça qu'a passé exactement? Et on connaît depuis haïtien à la onyaï, c'est soit le voler un bagaille ou du moins li poser une action li connaît qui pas bon. Et bien c'est comme ça, mon yon mande David, bam, téléphone. David, pouf, il pète courir. Courir, il a couru derrière David. Pierre David vient chapelle tomber, population bap, yon met mes sous, monsieur. Prends téléphone, qui met David, le yon gade yon jeune gros conversation entre David, ensemble avec yon citoyen. Et bien David, kap di citoyen, bel boss, nous en difficulté. T'as pris, voye katouche pour nous.
Bel boss, même de David, tu comptes nous exactement pour me capable voir un fort. Population dit bel boss, faut y poser là. Retenez moi, m'bral répond message ou à calme. Maintenant petit David, viens, nous prend lapido. C'est comme ça. Yo ronfle David jusqu'à ce que te retire souffle et puis yo prend téléphone là, yo écrit bel boss. Yo dit bel boss, ce moment là nous tue jo dans début si. Mais qui côté ou joindre nous? Tant pris, fais vite parce que situation li compliqué dans menou. Sans bel boss pas printemps, bel boss délégué au moins 5 bandits pour monter Debussy à cartouche nommé Zam pour être capable à le poter courir ensemble avec l'autre bandit qui était là yo. Et puis population sourit bien calculé mal compté vini joindre moi bandit ça yo perdit la vie yo en bas flamme dit fait. Je vous dis là pour que ou c'est yon parent. J'ai un parent qui prend temps qui te éduque tout le monde. Bien que mauvais la vie a maltraité tout le monde. L'attendez, petit garçon, en bas flamme dit fait. Parce qu'ils sont bandits. Hey! Ou obligé qu'on y a là à crier dans la gorge. Ou pas carré l'effort. Comment pral faire l'effort pendant que le voisinage qui bokoto là, qui explication pral bay voisinage là? Est-ce qu'on pral dit c'est chat qui en de la kaywa qui mouri? Est-ce qu'on pral dit son femme qui en dehors qui mouri? De toute façon, ou pas capable de crier parce que situation lui-même li compliqué nan men. Si n'importe au prince, bandit qu'on fait la pluie et le beau temps, peuple la lui-même li change tactique depuis quelques temps. Donc fou feuille mesdames et messieurs, gros midi. Jeune garçon et jeune femme mette ensemble pour battre ténèbres contre mauvais actes bandit a posé chaque jour. Ensemble, en temps de déclaration, maître, oh pardon, ancien policier Abelson Gonègre, qui te fait partie de SPNH 17. En temps de déclaration, sous situation que Kafoufeuille a fait face un moment après gros menace que bandit il a pris, arrivé posé sous tête. Bon, monsieur, c'est pendant que parler là, nous entendons des bagailles. C'est une bagaille que la population haïtienne a attendu très très longtemps. Et un mariage, et police, et FADH, et population, y compris nous-mêmes journalistes, qui a fait message dans le passé. Et nous passons savoir, ça a eu plusieurs années depuis que bandit est toujours voulu imposer ou dans Kafoufeuille. Donc, par exemple, le gang Tigé, comment ça a été passé avec population, policiers, donc, tu demandes le gang ça. Et dernièrement, nous apprenons côté que tu as installé un chef gang dans la tête de Debussy. Et bien, population et la police, et moun kanapé vert, et bien, nous connaissons l'histoire, comment ça a été fini. Et bien, tout de suite, monsieur Yo, donc, c'est pas forme, c'est pas diversion liée, mais c'est réalité que monsieur nous connaît l'année dernière, en novembre, 10 novembre, et il était fait attaque pour te prendre sous commissariat. Mais c'est grâce à réplique et policiers zone, policiers actifs, mais pas déployés, qui pas et cantonné dans sous commissariat, qui viennent porter support à policiers qui cantonnés dans sous commissariat Samuel Tacha, mais avec responsable. Commissariat Samuel Tacha, que m'a bravo pour monsieur, on est de courage et on est qui pape bataille. Et bien, population, comprendre, la gala pas arrêter tout le temps pour bandits à bannir au bout de terrain. Et bien, je dis, c'est population qui vous mettez avec la police, j'en ai commencé à, pour ces bandits, nous bail bout de terrain. Et bien, nous, on a qu'à faire, et on a un slogan qui dit, la police devant, population derrière. Donc, n'a pas qu'à comme ça. Parce que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Tout pour c'est tout côté, monsieur, vous voulez implanter gang. Canapé VFL, Debussy FL, Kafoué habitué FL. Et malgré ça, monsieur et grand avenue n'ont pas décidé de replier. Donc, vous voulez avec toute force, vous avez dit, dans quelques secondes, il a pris sous commissariat. Et vous avez une réplique, bon côté policier, yo, et population, et mariage là, a continué à faire parce que c'est une meilleure façon, une meilleure façon qui est capable de sortir de la salle. Et maintenant, c'est mes amis, vous me dites, c'est pas seulement Kafoufeuille et Canapé Vert, Debussy qui vous fait, c'est 10 départements et 4 coins pays qui vous mettez le constat. Donc, pour nous dire, population, faire policier confiance, mettez-nous avec policier, mettez-nous avec militaire qui est dans la zone nous, il y a une façon pour ensemble nous demander tout le groupe gang, donc pour l'avoir capable de tenir dans le pays. Dernière attaque qui fait là, est-ce qu'il y a déjà des victimes dans la population civile? Bon, nous connaissons en pile kay et boule derrière, monsieur, il n'a pas crasé en pile mi. Donc, tout à l'heure, monsieur, on arrive dans la zone sous commissariat et en pile kay a boule. Donc, il y a des gens qui sont victimes. Je ne vais pas arriver dans l'espace côté pour le taille, mais il y a des gens qui sont victimes dans la population quand même et face à monsieur Grand Avenue. On dit que, j'en sais tout à l'heure, dans tout cas, toujours des dommages collatéraux. Mais en tant que policier ou pas,
une information qui t'a dit nous au moins un chiffre de dommages ça vous fait là. Non, moi pas qu'à bah au chiffre et après dire monsieur dans l'espace sous commissariat ça va une tâche là même et matin moi comment lié et moi dévouement responsable à policier yo mettez avec et blindé qui répond présent et on dit hier tout hier après-midi si c'est pas de renfort qui te gagne en venir côté que te gagne policier oui te gagne une mot donc te gagne en venir en renfort mettez avec policier car vous faites yo bagarre te capi grave c'est pour ça n'a demandé recommandement PNH là pas négliger voyer renfort bay responsable sous commissariat ça prendre pistache ça pour nous sauver car vous voyez sauver capital là pas négliger tout parce qu'il connaît carence munition hein, parce que négocier pas roche et yo mettez dans les armes qui dans mais c'est pas de l'eau même Jean Bandi yo pas gain problème et munitions donc faut faire le compte ça aux policiers ou toute une façon pour yo toujours gain munitions et jeune munitions à temps pour yo répondre à toute éventuelle attaque bandi yo parce que monsieur yo dit yo pas abandonné et faut yo prend sous commissariat ça vu que yo pas de chance donc peuple et Debussy peuple canapé peuple pas quitter au passé pour yo t'importer gagne yo et bien donc yo tient à ce que faut que yo prend contrôle sous commissariat ça va le pistache donc là li rete avec recommandement la police là DDO pour yo toujours voyer renfort et bail policier actif dans sous commissariat ça une station munition et armes de prête de façon pour répondre à toute éventuelle attaque bandit. On ne sait pas raison entre les tiges de la bon monsieur certainement a parlé là nous tendez des bagailles et comparativement avec tige c'est des bagailles nettement différents et tige pas de effectif et gang effectif nèg yo gen là et tige pas de zam ça nèg ça au gen là donc pas bien retour du ça même yo dit yo pas de problème et zam yo pas de problème munition et pendant pas nous attendez comment ba yo donc c'est pas trop loin nous là on dit son 3 4 5 minutes de distance que de nous rappeler n'a parler sinon qui donc avec son nèg nèg la ville 40 avec pour ces policiers qui nous ont attaqué avec conséquence normalement nous pas dit ancien policier et on dit c'est policier actif mettez avec militaire nous accentuer sur ça parce que dans Kafoufeu gagne en pile militaire qui dans première promotion ou promotion capitaine sorti là gagne en pile donc cap porter main forte avec policier avec policier actif c'est policier qui pas affecté dans sous-commissariat mais qui c'est policier Kafoufeu qui mettait avec policier qui affecté dans sous-commissariat donc sans présence policière avant même que renfort vini nèg t'a bien prendre contrôle commissariat en dit depuis et novembre et 2022 qui se passé qui genre moral monde et population Kafoufeu là pour le moment là. Donc nous connaissons, nous c'est humain, ça qui arrive, on t'en le baisser, on t'en le monter, et nous sommes capables de voir côté que la population a une force, côté que nous avons une santé à chanter dans toute l'arrière, donc avec les policiers aussi, la police devant, et puis la population en dedans. Donc, du moment où les policiers ont une chance, la population avec eux. Je dis, il faut qu'ils profitent du moment comme ça pour qu'ils soient capables de finir avec la question de la grande ville qui veut envahir Kafoufeu là. Et pourquoi pas, exemple, dans tout le pays, pour nous dire, population, mettez avec les policiers, mettez avec les militaires, il y a une façon de demander tout le groupe gang dans le pays. Le message avec l'autorité qui a gardé là, pour la bataille de sécurité qui a galopé, et même avec Bandi, tout a été brutalisé la population là. Message, ma plan, c'est par l'autorité, et monsieur qui est conscient que vous-même, vous êtes coupable. Nan bay bandi zam, nan bay bandi munition. Donc, nan mande monsieur Sao, est-ce que je dis à conscience yo pas reproché yo, puis yo wè, propre yo même insécurité a pas épanouye yo, et femme yo pas épanouye, et bien la vie qui yo prend conscience, et en pile nèg yo dis à qui gen interdiction de départ. Si c'est pas de ça, yo tap getan quitté pays ya. Donc, je dis à comment yo senti yo, les propres yo même. Donc, on dit monsieur et qui gen moi et qui nan nèg gen franchise douanier yo, c'est yo même qui a entré à zam avec munition dans le pays d'Haïti pour alimenter. Donc, je dis à comment yo senti yo. Donc, monsieur, on nous prend conscience pour nous être capables ensemble pour nous battre avec le phénomène d'insécurité. Même Jean Dédil, il a commencé par bandit à sa patio pour nous prendre gang à costume, après ça, pour nous arriver sous gangster économique. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations. Abelson Goneg, ancien membre du SPNH 17, qui était passé environ une année dans la prison pour Zach malhonnête. Selon ça, la justice lui-même l'était affirmé. Nous avons un commissaire Jean-Ernest Muscadé qui arrivait mettre dans le danger deux bandits qui courent quitter Gravine qui ont réfugié dans la zone Miragouane. Bandit sa yo c'est comme surnom Pimambouk ensemble avec pas prend chance ou te connais ou pas supposé prendre chance Miragouane pour qui ça ou te décidé al fait route si la commissaire Jean-Ernest Muscadé dans un bus qui sorti dans direction Jérémy t'al fouillé l'el gade l tombé sous gros matos nèg sa eux même yo possédé une situation qui assez compliquée mesdames et messieurs.
Bien avant nous rentrer dans le reste développement titre, nous avons le président Emmanuel Macron qui a hier, jeudi 27 avril 2023, rendu hommage à tous ces ouvertures durant la journée ça, qui a marqué 175 l'année de l'abolition de l'esclavage. Selon Emmanuel Macron, tous ces ouvertures lui-même, il était fait bon choix. Ensemble, on suit qui la cérémonie a été déroulée et déclaration Emmanuel Macron. Avant de subir la défaite que lui infligeait le premier consul, Toussaint Louverture n'avait jamais manqué à son devoir d'humanité. Contre ceux des siens qui entendaient se venger des Blancs de Saint-Domingue, il épargnait, amnistiait et cherchait la concorde. Contre son rival de lutte, André Rigaud, tenant d'un ordre privilégié pour les libres de couleur, issus des couples de colons et d'esclaves, Toussaint Louverture défendit les droits des Blancs, des Noirs, de tous. Peau noire ou masque blanc peut lui importer. Il évaluait la qualité des hommes non par la couleur mais par la grandeur. Il entendait bâtir une nouvelle nation fondée sur l'égalité, la fraternité, l'amitié et le progrès. En somme, une république universelle. En cela, Toussaint Louverture est un héros. Talleyrand disait des hommes qu'ils sont des statues. Il faut les voir en place. Ainsi, Toussaint Louverture s'est-il imposé dans notre mémoire collective et cette statue-là est indéboulonnable. Héros français, en son exemple universel, Toussaint Louverture appartient aussi au monde. Inspirateur des abolitionnistes américains, des luttes anticoloniales, soleil noir des indépendances et des révolutions. Parce que sa virtuosité militaire et son intelligence politique éblouirent ses contemporains. Stendhal a écrit de Bonaparte, entrant dans Milan après le pont de Lodi, que le général de la République venait d'apprendre au monde que César ou Alexandre avaient un successeur. Défilant dans les rues du Cap Français, Toussaint Louverture, lui aussi, se hissa à leur hauteur. Parce qu'il révéla à lui-même la force du peuple de Saint-Domingue, Toussaint Louverture fut le précurseur de la nation haïtienne. C'est ainsi qu'il apparaît, aujourd'hui, à travers la diaspora d'Haïti, à travers les œuvres de ses historiens, de ses écrivains et des artistes. Voilà, mesdames et messieurs, tout c'est l'ouverture que Français ont toujours voulu rester vivant dans la mémoire. Nous ne savons pas pour qui raison, parce que si après nous finissons assassinés, là, c'est ça, nous rendons compte que l'était un monde qui était précieux. Malgré le mandat d'amener qui gagne contre lui, Père Jean-Mardocheville, qui est président du comité permanent de l'église épiscopale, là, 24 avril qui saute passé à la sien en lettre, quand il menace révoquer toute paix qui déplace et quitte pays sans autorisation. Est-ce que nous t'entendez? Père Jean-Mardocheville, que DCPJ a cherché pour fraude fiscale, évasion fiscale, corruption, trafic d'armes, trafic illicite. Et mes pères Jean-Mardocheville, ça, dans tête comité permanent l'église épiscopale, l'a signé lettre pour menacer révoquer moun qui quitte paroisse là sans que yo pa mande l'autorisation. Comment yo pral faire mande autorisation si toutefois nan moment n'a parlé là ou gagne gros problème ensemble avec la justice? Est-ce que DCPJ décide de faire travailler tout bon vrai? Ou du moins DCPJ lui-même, lui qui a parti pris dans le moment que l'a joué là? Parce que si l'autre moun yo a checké, yo a checké, yo a checké sur comme ça, pour qui ça perd Jean-Mardocheville, nous connaissons exactement qui compte le situé en dans le pays d'Haïti. Et si nous besoin d'informations qui plausible sous PA, n'a joué pour qui ça jusqu'à présent, nous pas jamais débarqué pour nous arrêter Père Jean-Mardocheville. Expliquez. Parce que c'est vraiment important, je vous dis à la, pour nous comprendre qui ça qui a passé en de pays. Ministre justice te dit peuple là, prenez responsabilité nous. Goumen pour tête nous, défendre tête nous. Peuple a prend très à cœur ça Emily prophète qui te ministre justice te dit yo. Kounya là, Jean-Victor Généus même a plaidé devant l'ONU comme quoi durant 48 dernières heures yo et mes situations elles deviennent dégradées en Haïti alors que les peuples a agonisé en bas mes bandits, tout était sous contrôle.
Donc, est-ce que direction centrale de la police judiciaire, là, qui a un travail tout bon vrai que l'a fait? Parce que si elle t'a fait travailler, les comme ça, Père Jean-Marc Docheville, si de gros bagages t'a signé, qu'on essaie en dans cellule que l'y a, tête qui tellement vieux parti, il t'a chargé un vieux bout de roche, il a commencé à faire trace, l'a compté, l'a écrit pour compte, mais pas un papier, il a gagné pour signer, comme quoi l'a menacé révoquer moun. De si l'église épiscopale l'a monté, fou! Et puis dans le même moment, il tout descend. Qui s'est passé? Enquête la campé? Est-ce que enquête la lui-même li campé? Eh bien, mesdames et messieurs, Jean-Marc Docheville, dans le moment, continue à signer lettre chèque pour l'église épiscopale pendant que la police nationale d'Haïti, soi-disant, a cherché le tout côté. Puis devant nous, il y a Maître Caleb Jean-Baptiste qui débarquait dans le paquet. Et mais c'est ça oublié, il n'a pas dit. Maître Caleb Jean-Baptiste, lui-même, il parlait sous arrestation Maître Robinson Pierre-Louis qui était impliqué dans le dossier ZAM Port de Paix selon sa la police nationale d'Haïti à travers DCPJ. Arrivé raconter, elle fait connaître que Maître Robinson Pierre lui-même, lui vraiment malade dans la prison, il a des problèmes cardiaques et en délibération, le pressé ensemble, entre les déclarations Maître Caleb Jean-Baptiste. Difficile ça, nous venons couvrir conférence de presse, que nous avons calculé à même. Objectif conférence de presse là, est clair. Nous ne pouvons jamais avoir opinion nous sous sanction. Nous sommes prisonniers à un et à gauche à droite. Dossier Maître Robinson Pierre lui pas faux pas. Dossier Omerson Christ pas faux pas. Gagné DAP qui c'est monsieur Pierre-René François qui c'est directeur administration pénitentiaire. Corruption, cangré Nebratsa. Dossier on substitue commissaire gouvernement dans quoi des bouquets qui c'est Roger Saint-Plice. Avant justice la même j'en avant y a vendre patate dans marché en bas. Jusqu'à présent, en pile entrepreneur qui était payé à cause de monsieur, qui a fait justice dans le monde. Et dossier tout, ancien président Antoine Simon, qui côté que une équipe autorité, qui était édosé nous, qui était l'autre idiot, qui était une équipe pour entrepreneur dans la ville locale, qui était commissaire, qui était juge, prend bien famille ça. Nous-mêmes, comme M. Caleb, je dis à nous venir pour dénoncer. La presse, premièrement. Tout le monde connaît M. Robinson Pierre-Louis dans quelles circonstances il a été arrêté. Jodi a fait plus de 10 mois depuis M. Robinson Pierre-Louis l'a coupé dans la prison. M. la malade, grave, surclimenté. Et nous connaissons que son monde qui était malade dans le cœur. Jodi a état santé M. la malade du tout. Mais qui est-ce qui cause? C'est la justice pays. Pour qui ça? Parce que M. la son monde qui était digne, qui était droite, qui a dénoncé des rives. Dans le pays, eh bien, nous avons fait le payer ça. Nous avons demandé avec le juge qui a traité le dossier, j'ai l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979, sous appel pénal, demandé ça, rendre ordonnance pour mettre là, qu'à joindre la famille. Ça, c'est le premier bagage. Et sinon, magistrat, ou pas rendre ordonnance là, vous connaissez nous qui poursuivre vous, parce que nous sommes tous des avocats. Et vous connaissez ce que la loi dit en cette matière. Nous pensons qu'en tant que juge, vous êtes indépendant, vous devez vraiment faire force selon la loi, sans pression pour vous libérer M. Robinson Pierre-Louis, qui ne va commettre ni crime, ni délit, ni contravention, parce que c'est seulement avocat de monde, mes amis, il a arrêté. Quand vous avez vu des marchandises, vous avez dit qu'il était dans le bateau. Là, nous sommes des déclarations Maître Caleb Jean-Baptiste sous dossier Maître Robinson Pierre-Louis. Puis devant nous gagner même Maître Caleb Jean-Baptiste qui t'est parlé sous dossier pénitentiaire national. Là, côté Jean-René François, qui c'est chef pénitentiaire, a fait yo paquet magouille alors que prisonnier au même yap mouri graine par graine. Ensemble, Maître Caleb Jean-Baptiste. Yo libre. Côté tout le monde, yo t'a dit qui est impliqué dans ça. Yo libre avec ses maîtres de son bien-lui, yo t'a dit deuxièmement, nous gagnons substitut commissaire gouvernement Roger Saint-Plice. Qui gagne un entrepreneur qui est le Wilson Bassin, qui sont entrepreneurs nous connaissons qui gagne pile entreprise à travers 10 départements pays. Substitut commissaire gouvernement ça, pour qui raison? Pour une raison côté que, il demande des millions de gouttes. Elle déjà prend des millions déjà dans mes entrepreneurs. Et l'entrepreneur a été moi-même comme avocat, mais tu casses comme avocat et plusieurs autres avocats.
Et bien, maître Roger Saint-Brice, ça le fait. Il vraiment, il arrête entrepreneur. Il arrête entrepreneur. Lui-même, il kembel pendant bon temps avec combien de gens il fait en prison. Il kembel marchandise entrepreneur qui est évalué à 5 millions d'euros, etc. Il kembel tout ça entrepreneur possédé sous prétexte pour entrepreneur à Bali encore 1 700 000 gouttes. Nous-mêmes, comme avocats, nous-mêmes, qui défendons le monde, nous avons plus de 500 personnes travaillent dans le pays. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons substitué comme ces racketeurs. Tant que Roger Saint-Brice fait des gens qui quittent le pays. Et nous avons écrit le ministère de la Justice, nous avons écrit CSPJ, Naptan, pour nous, qui ça, il a dit parce que nous connaissons le ministère de la Justice, il n'y a pas les 11 la donne, que tout le monde connaît le crédit bonnet, et moi-même, je toujours connais le crédit bonnet. Pour nous, qui ça y a dit avec un racketeur, un corrompu comme ça, qui fait entrepreneur qui te paye, qui se rouge. Et puis, pour nous avancer. Et voilà, mesdames et messieurs, Maître Caleb Jean-Baptiste, même il parle sous dossier pénitentiaire national. Nous gagnons sénatrice française là. Catherine Cocon. Catherine Cocon, mesdames et messieurs, qui soutenit des marches peuple haïtien a fait à travers le gouvernement Ariel Henry, ou du moins, des marches de gouvernement Ariel Henry a fait à travers le peuple haïtien pour demander une intervention militaire ensemble. Nous prenons de qui ça lui-même lui écrit. Sortir de l'inaction. C'est ça qui titre là. Madame la ministre, un peu plus de mois s'est écoulé depuis la question d'actualité que le gouvernement haïtien et depuis la situation sur place n'a cessé de se dégrader. Les morts se comptent par dizaines chaque semaine. Les viols ont été érigés en système. Les groupes armés ont pris le contrôle de cet état, des faits qui demeurent à ce jour sans gouvernement légitime. Pourtant, le silence de la France reste troublant, mesdames et messieurs, alors que même notre pays occupe une place toute particulière dans l'histoire d'Haïti et ne peut, de ce fait, rester indifférent à ce qu'il s'y passe. La résolution des Nations Unies instaurant un régime de sanctions à l'encontre des personnes ou d'entités soutenant le conflit armé n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation et ne changera rien au quotidien cauchemardesque des habitants de l'île. L'appel à la tenue d'élections qui ne peuvent de toute évidence pas avoir lieu dans le contexte actuel relève de l'hypocrisie. Nous ne pouvons décemment laisser les Haïtiens vivre dans la peur. La France doit soutenir l'envoi d'une force d'intervention internationale auprès de l'ONU qui agirait pour le maintien de la paix et le retour à une situation qui permette à des institutions démocratiques de renaître. C'est la seule façon de créer des conditions de l'apaisement. Cette intervention doit se faire le plus rapidement possible pour arrêter l'état combe. En 2015, le président de la République française affirmait que la France avait dette morale envers Haïti. Montrons-nous à la hauteur. Veuillez agréer, Madame la ministre, mes respectueuses salutations. Catherine Cocon, sénatrice de la Martinique. Et bien, c'est ça que Catherine Cocon lui-même lui écrit ensemble avec ministre française là a fait pour lui capable demander pour pas rester inactif dans ça qui a passé actuellement dans pays d'Haïti côté la France gagne une responsabilité morale envers Haïti. Indifférent ça que la France a affiché là, c'est pas lui-même que peuple haïtien lui-même lui mérité. Puis devant mesdames et messieurs, bandit qui tape ferraillé dans Baradère à 90% problème dans lui-même, lui résout dans selon ça délégué départemental ni plan lui-même, lui arrivé fait qu'on est, yo mettait en bas corde 12 jeunes garçons ensemble avec jeunes femmes ensemble entendez déclaration. Magistrat annoncé que il y a une réforme que il va le faire dans niveau mairie mais bah qu'on est exactement qui quantité monde niveau y aller. À la quantité de monde, il faut y aller, c'est au cas d'apprendre de révoquer 19 monde. Mais sauf que, moi, j'ai été informé que il y a un bon employé qui n'a jamais mis pied dans la mairie, qui fait abandon de poste. Le magistrat a jugé nécessaire pour qu'il prenne des décisions contre Mounsaïo. Et c'est ça que moi, je connais que lui fait. Bon, on nous dit que
délégation lui-même est là pour faire appliquer la loi, faire respecter la loi et faire respecter le droit aux citoyens gagnés. Et non ça qui vient à ouais à principe et que l'État fixé pour révoquer moun. Maintenant, on nous dit que si magistrat fait selon la loi, c'est bien, mais s'il fait en dehors de la loi, délégation a gagné pour prendre décision. Et décision bon cadeau qui s'appelle, parce que c'est à l'heure, je ne pas la magistrat, moi des magistrats pour que moi rencontre ensemble avec lui et ensemble avec l'employé, magistrat pour que bon, qui le rencontre la possible. Et je vais pressurer lui, je vais le date, je vais demander lui une rencontre. Maintenant, il faut le rencontrer avec tout le monde et puis pour dire mais qu'il le rencontre la possible pour m'aller, pour me trancher et pour que la décision qu'il prend, il le prend. On nous dit que depuis ce magistrat Jude, tu as toujours gagné un conflit, mais il n'y a pas arrivé dégénérer dans le sens que l'arrivée là aujourd'hui. On nous dit que depuis après la mort du magistrat Jude, il y a un conflit interne dans mairie à côté que les deux assesseurs n'ont pas arrivé à entendre et côté que nous connaissons très bien et mairie a été fermée. Il y a ce lait qui est posé sur mairie. Par la suite, et les magistrats ont été rencontrés ensemble avec moi. Ils ont été décidés pour que ils entendent le travail. Moi-même, moi j'étais allé avec juge de paix. Moi j'ai fait lever ce lait. Mais il y a encore des problèmes qui ont été attirés, problèmes qui ont persisté. Maintenant, et délégation a une décision pour le prendre. Mais il faut nous dire bientôt, parce que moi-même, c'est un homme qui va jamais cacher et nous dire le problème. Il faut nous connaître un problème institutionnel, un problème administratif qui est posé, côté que nous avons des autres qui ont fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur, il a pris une décision, il prend directement avec le magistrat, sans va passer par délégation pour qu'elle informe, pour le connaître, qui problème qui existait. On dit depuis après la mort du magistrat Jude, moi j'ai fait rapport au ministère de l'Intérieur sur question problème mairie païen, yo pas jamais répondre. Si rete m'rete, m'apprendre que intérieur bay magistrat Metelus autorisation pour la louvrir bureau magistrat Jude pour le prendre saut sans que yo pas informé. Est-ce que on ça veut dire que gagne des bagages parfois qui facile pour résoudre, mais le fait que nèg yo pas respecté principe administratif yo, ça vient faire que bagay yo gayé. Vous comprenez? Yo gayé parce que le problème l'état même chaque nèg qui dans branche l'état qu'on est que le cap fait pas contre lui Jean Vlé, Jean Pipito et puis l'état même dit dans la rue. Je pense que le problème baradi là c'est que nous gain bon genre information, li son problème qui à 90% résoudre. Et dit que le problème baradeur là, pas de bon dit encore baradeur, ça qualité arrêté parce qu'il y a environ 11 ou bien 12 ans, les gens qui sont là, qui ont Miragouane en Savo, et l'autre qui n'a pas venu, ils ont pris des matchs pour eux, ils n'ont pas baradeur encore. Et souvent, ils ont quitté baradeur, on dit que pour le moment, la population baradeur là, li en paix. Et dit que le problème ça a lié. Combien de monde a arrêté? Moi, tout ça a déjà arrêté environ 11 monde déjà, qui sont en prison. Miragouane avec un cerveau. L'autre, et bon, pas qu'à avoir une information directe de ZAM qui saisit parce que je n'ai pas gagné des derniers rapports. Ok, mais sauf que moi informé qu'il y a environ 11 monde qui est là pour le moment et l'autre, yo qui te balade. On est très clair que le département NIP n'a pas de problème effectif dans la question de la police là, côté pas assez effectif et puis il y a un problème de matériel tout pour. Policiers agir en temps réel. Mais il y a un peu d'efforts qu'a fait pour que gagner un contrôle sur question bandit capable de monter des sommes dans la barrière. Et voilà mesdames et messieurs, et c'est ici à nous mettre bout à Kobikto pour aujourd'hui. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Dans nos so, 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 so
bloqué. Politicien pas qu'à marcher. Ouai, maman, y'a qui te volé, ouai. Moun salio, machin de.